Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play donc sur la demeure de Stade, sur Neverwinter Nights. Donc je m'excuse hein, si j'ai eu des temps d'absence, etc. Mais bon, le travail, etc. ont fait que j'ai pas eu vraiment le temps d'enregistrer des let's play. Donc du coup, on est dans la demeure de Stade, hein, je reprends là où je m'étais arrêté sur le dernier. On est dans sa demeure et la dernière zone qu'on n'a pas explorée, c'est dans l'espèce d'égout cave. J'espère qu'on va bientôt voir le bout parce que c'est vrai que là, les derniers niveaux, comme vous avez pu le voir, ça commençait un peu à. Enfin, j'étais un peu perdu. On va pas dire que ça me saoulait, enfin, si. Après, c'est sûrement moi, hein. Mais là, normalement, c'est la dernière zone qui reste, donc on va voir ce qu'il y a ici. Parce que Strad le Némon, il faut. Comment on appelle ça? Il faut réunir différents éléments pour pouvoir le battre, hein, si j'ai bien compris. Sinon ça va pas être possible. Tiens, il y a un rat. Y a un empathie. Allez, c'était absolument pas ce que je voulais faire. Je voulais que le rat soit mon pote. Bon là du coup il n'y a rien dedans. Ah, il y a une côte de maille. Mais je doute que ce soit du grand. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours des cadavres dans ma poche, hein, toujours un classique. Épée bâtarde. Oh, toujours pas. Un cadavre. Et j'ai pas de. Si je me souviens bien, j'ai pas de sort pour identifier. Pas la faux contagion, de raison animale. Utilisation de monstres, liberté de mouvement. Normalement, c'est dans les premiers niveaux, hein, donc. Et je crois pas avoir de parchemin. Invisibilité. C'est vrai que j'en avais récupéré dans un coffre là. Non. Bon. Ouais, j'ai un pote rat. Il a un PV. On va pouvoir vivre de grandes aventures ensemble. Et mon pote le rat. Et pas très utile, hein. Alors ici on force toutes les portes. Un chef squelette. Bah, éliminez-le. Moi je reste, je vous regarde. Ah mais le rat il attaque, hein. Il fait zéro dégâts, mais il attaque. Hein. Vous prenez toute la place là. Voyez pas, vous êtes des gros lards. Aïe. J'ai constitution décrue, ah non, force décrue, pardon. Ce qui n'est en soi pas ouf, hein. Sûr que je vais être un mal des malus, déjà c'est pas si difficile comme ça. Est-ce qu'ils vont de l'avoir ce putain de. Voilà, merci. Putain, et vous prenez toute la place. Le gros élémentaire d'eau là. Treasure. Du coup, je vous remercie pour l'or, hein, mais vu que ça va pas me servir beaucoup, parce que je vais clamser et que dans tout les quoi, je suis à la fin. Mais merci. Putain, elles sont toutes verrouillées, c'est un enfer. Oh, le coup critique sur la porte. Ça rigole pas, hein. Allez, défoncez-moi cette porte. Ils y mettent vraiment du cœur à l'ouvrage. Hein. Ah, il y avait un rat. Oh, il y a encore un chef squelette qui a spawn à côté. Bon, on va le zigouiller. Hein.
Je bois mon petit café. Ski. Hallebarde. Truc, il y a vraiment un trésor par oubliette, quoi. Le rat est toujours là. Hein. Attention, c'est ça rigole pas. Généralement, je me suis fait vraiment un pote, quoi. Dominé. Loot bag. De l'or. Écoutez, très bien. Reste encore des oubliettes là. Allez, let's go toutes les faire. Ah, il y en a de l'autre côté en plus. Le let's play, ça va vraiment fouillage d'oubliettes sur 20, quoi. Mais c'est pas grave. Ce n'ont aucune utilité, on sait. C'est pour qu'ils attaquent, voilà. Un cadavre. Sans rien d'autre. Pousse-toi. C'est un enfer, merci. Allez, déglinguez-moi cette porte. D'accord, elle a lâché à 47 de dégâts. Alors. C'est vrai qu'on a le même portrait en plus, extrêmement perturbant. Oui, éliminez-moi cette porte. Bon, c'est pas ça que je voulais dire. Déjà, de toute façon, ça a déjà une bête d'armure, enfin, un gros truc de tank, quoi. Tu peux le faire, mais donc fais-le. Moi, j'explore tout, hein. Moi, je vous le dis direct, moi, je vais faire toutes les oubliettes. Pousse-toi. Pas très gentil de dire ça à la porte. Hein. Y a rien dedans. Fléau d'armes lourd. Si, il y avait un truc, mais je peux pas le prendre. Enfin, je peux, mais ça n'aurait pas une grande utilité. Allez, attaquez-moi ça. Voilà. C'est quoi? Un seigneur zombie? Soldat zombie. Bon, les éclatés lui avec gueule là, voilà. Il n'a rien. Ça, ça a été fait déjà. Forcé. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je me batte avec. Ensuite, tu peux leur dire ça, ils vont le faire. Je vois mon pote Laurent, qui est là. Hein. Qui fait genre, il fait un truc. Mais il est toujours vivant. Il a un point de vie, il fait zéro dégâts. Mais il a le mérite d'exister. Vous allez l'avoir ce squelette ou voilà, merci. Oui. Éliminez-moi cette porte. Oh, y a rien dedans en plus. Quelle somme.
Quelle somme? Loot bag, un gourde. 150 pièces d'or. Bon, bah, toujours ça de prix, hein. Est-ce que ça va m'être utile? Je ne sais pas. Ah, peut-être qu'à la fin, je peux soudoyer le baron, mais je pense pas. Non. Allez hop, déglinguez-moi cette dernière porte. Chambre des tortues, nager jusqu'au balcon d'observation. Ivan Koreshev. Donc le plus commun des lycanthropes, les loups-garous sont assauts les plus complexes socialement. Alors qu'ils mènent une vie solitaire, d'autres formes... d'autres existent sous forme de rituels, de société un peu de rituel quoi. Ok. Ivan Koreshev, ça fait un bout de temps qu'il va être là-dedans lui. Oh! Je me suis trompé de commande. Chemise de maille. Bon. A priori, il a rien looté qui nous soit utile. Enfin, il a rien dû looter du tout en fait. Sauvegardons tout de même. Alors. Hop 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 hop, salut vous. Allez zombies. Voilà. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Je me repose. Je suis reposé dans les égouts, c'était sympa. C'était une bonne ambiance. L'endroit me paraît tranquille pour un repos. Ah bah oui. Entre deux cadavres bouffis, je te le dis direct, hein. D'accord. À mon avis, on va se taper les golems. On va les attendre. On va voir ce qui se passe, sinon apparemment... Garde manger. Bah ouais, mais j'ai déjà fait tout ça, putain. Ah ouais, mais forcément, on revient un peu au même endroit. Il reste une minute. Aïe aïe aïe. On leur fait pas de dégâts si j'ai bien compris. Garde-manger, j'ai déjà fait. On va aller vers les catacombes. On va voir. Poussez-vous. Bon.
Ok. I understand. Ça ouvre des choses en particulier. D'accord. Bon. Écoutez, on va y aller, hein. On est dans les catacombes. Alors. Donc si, je suis jamais allé. Enfin, un nouveau lieu, parce que j'en avais marre de tourner en rond. Piège déclenché. Ça m'a rien fait puisque mes jets de réflexe étaient supérieurs dans la logique. Ah oui, d'accord. Ouais, très bien. Là, il fait sombre ici, hein. Il fait dark. Chauve-souris. Bah tiens, tu vas être ma pote. Voilà. J'ai un nouveau compagnon, une chauve-souris. Oula, attention, elle a 5 points de vie comparé au rat qui en a qu'un seul. Je pense qu'on va en faire un tank. La tombe de Zergy Ivan Sadorovitch. Ok. Puis c'est son père ou un truc comme ça, je sais que bon, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai un petit peu oublié, mais fort bien. Oh les nécrophages. Oh ça c'est des saloperies ça. Ça te fait des absorptions de niveau et tout. C'est des vraies saloperies. C'est pour ça que je voulais faire. Non plus, ça c'est trop puissant pour trois connards. Ok. On les a eus. Allez, quand c'est moi cette porte là. Voilà. Ce sont des restes d'humains. Ouf, j'ai déjà deux cadavres dans mes poches. J'ai plus de place pour un troisième. Alors. Donc là, il y a la tombe. On va d'abord finir l'exploration de ce lieu. Puis ensuite, on ira voir la tombe de Sergueï von Tsarovitch. On ira voir de quoi il en retourne. Ah, toujours ma pote chauve-souris. Elle est là, hein, c'est. Elle nous aide pas du tout, mais elle est là, quoi. Gravure. D'accord. Donc il y a une gravure, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. On sait pas ce qui est écrit dessus, pardon. Vous êtes trop agité pour tenir une conversation. Un problème de script? Le cercueil est vide. Ok. On va continuer. Il faut savoir que du coup on en a un là où il y a des restes humains, mais bon. Teshap Petrova, guérisseur des rois, lumière tournée vers l'ouest, serviteur compagnon. D'accord. Donc là on a quelque chose. C'est pas la première. Ah d'accord. Trou. Donc il y a des trucs planqués. Ah, quelle bande de coquins. Il y a des trucs planqués. Alors. Sir Zedrich, ouf, Spinodovitch, amiral Spinwitonovitch. Putain. Bien qu'il fût désordonné, il a construit la plus grande force navale jamais rassemblée dans un pays du littoral.
Ok. Reste humain. Je sais pas s'il y a un trou là, comme on a vu tout à l'heure. Bof. Ils sont bien planqués les bougres. La tombe de Barov et Ravenonia. Il y a des tombes partout quoi, enfin, en même temps c'est les catacombes j'ai envie de te dire, donc c'est un peu logique. Mais est-ce que si peut-être en profanant certaines sépultures on va peut-être arriver à affaiblir le baron, je ne sais pas. Ivan Ivanovitch, bien-aimé d'Anna Petronova. Ah oui, parce que vous allez faire quoi, une randonnée là? Mec se barre. Hop. On va tout explorer, putain, mais il y a 15 000 trucs quoi. Roi d'Ostron. Il y a tout le pays dans les catacombes quoi. Vous prenez toute la place. Non, non, non. Je vous vaincrai ou je mourrai en essayant. D'accord. Je peux le faire, j'ai fini. 39 de dégâts, ça fait toujours plaisir. Allez. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un ennemi. En fait, non, c'est juste une chauve-souris. Testoleris, dernier de la lignée. J'ai fini. Cadavre. J'aurais pu faire une collection. La tombe de Strad von Zadorovitch. Mais voilà, je me disais bien qu'il y avait sa tombe dans le coin. Il y a tellement de trucs. Bandit et pirate, mes compagnons favoris. Hop 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 hop, il y a du zombie là. Hop là, voilà. Ça dégage. Oui, du coup, j'ai déjà regardé. C'est quoi que je voulais faire, oui. Il faut les éliminer. Oh, des cleps. C'est un bandit, ça? Tu me diras, un chien, ça peut être un bandit, hein, un chien bandit, hein, finalement. Ouais, ça devait être chiant d'attendre ici, quand même. C'est ça que je voulais. C'est vrai que j'avais mis une note. Cette pierre ne comporte aucune inscription. Ces ennemis sont proches. Enfonçage de porte. Donc là, il n'y a rien du tout. Allez hop. On continue notre exploration. Peut-être ils y sont pas allés de main morte sur les tombes. Hein. Quelle catastrophe. Pour que le bien triomphe, nous n'avons pas le choix. Il faut les éliminer. Ah, bleu, bleu. Hybride mort-vivant. Donc couvert d'un exosquelette chitineux et dur. C'est Four Limbs, je ne sais pas exactement ce que c'est. Maudit et avec des lames. Sont des.
sont des créatures souterraines vicieuses, sont des prédateurs souterrains vicieux qui peuvent semer la peur. C'est vrai qu'il avait un peu une sale gueule quand même. De passer par ces portes fous mortels. Ah, bah moi je les passe, il se passe rien. Je me repose. Ça va être sympa de dormir ici, une bonne ambiance, je trouve. On ne le connaît que par sa richesse, avec des dollars. Je vais me prendre un truc dans la gueule. Oh bah d'accord. 50 000. Non, c'est pas ça que je voulais faire. La pierre est marquée des coups de griffe qui la rendent le nom illisible. Hop, là encore un cercueil. Ça veut dire que le cercueil est vide. On joue aux touches pipi, Ikirena. Alors, on va encore explorer. Il y a l'air d'avoir pas mal de tombes. Cette pierre ne comporte aucune inscription. Ce serait marrant de voir une pierre où il y a marqué qui a mon nom, genre une connerie. Notre nom est un cri. Préfet Cyril Romulich, apprécié du roi Varov et de la reine Ravenovia, grand prêtre très saint ordre. Oui, ça rigole pas, mais et non pas seulement saint, il est très saint. Je récupère tout. C'est à moi. Je pille. Ah merde, mais oui, j'ai plus ma chauve-souris. Hop, tiens, voilà, t'es avec moi. Fais un petit compagnon. Yvan de Rose, champion de la course de Winterdor. Les courses reviennent en plus rapide, mais la vengeance revient à la famille du perdant. Ah, ils ont pas trop kiffé son ennemi. Son concurrent n'a pas trop kiffé de perdre. Son adversaire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Du coup, slash. Je les ai un peu fait dans le désordre, hein, les trucs. Hein. Je viens de voir, j'ai aucune limite. Stéphane Grigorovitch, premier conseiller du baron von Zorovitch. Ok. Cercueil. Je sais pas si c'est vraiment utile de toutes les faire, mais moi je suis un gars de l'exploration et je vais toutes les faire. Patrina Velikovna, fiancée. Eh bien écoute. Le pathfinding du tiers-monde. Ah, elle a l'air très contente qu'on l'ait réveillée. Heureusement que j'ai mes éléments, mon noble élémentaire de feu qui casse vraiment des bouches parce que 10 000. Bon, écoute, je te prends ta thune. Alors, on en a une là. On sauvegarde.
un Dire Rat. Bah, hop. Je voulais que ce soit mon pote. Oh. Nom d'une pipe. Chauve-souris, reviens. Parce que Laura n'a pas voulu de moi. Voilà, merci. Je tiens à avoir un compagnon animal. J'ai éthique déjà, mais c'est pas grave. Artimus, bâtisseur du donjon. Tu te tiens au cœur du monument de ta vie. D'accord. Pour que le bien triomphe, vous devez tomber. Nous n'avons pas le choix. Il faut les éliminer. Oui. J'ai fini. Tu as fini. Comme mille soucis du détail, ils ont quand même mis les cadavres dans tous les trucs. Enfin, dans tous les trucs, il y avait des noms en tout cas. Kazan, sa parole était puissante. Mais j'en doute pas. Tu peux le faire. J'espère que les noms sont vraiment des noms aléatoires ou quoi. Et que c'est pas des références à, je ne sais pas, de la pop culture, parce que sinon ça veut vraiment dire que je suis putain d'inculte. Sacha Iflosva épouse. Elle a des fiancés, des épouses. Le mec se fait plaisir. Vous avez fini de péter la gueule aux ennemis là. Ah, et le cercueil est vide. Alors qu'il y avait quelqu'un qui était enterré dedans de base. Elsa Faluna. Ouais, clairement. Mais j'avais réussi. Reviens, chauve-souris. Reviens, j'ai dit. Voilà. Alors, le cercueil est vide. Ah, il y a des cercueils qui sont vides, alors que normalement il y a des gens dedans. Ça promet. Soit ils vont tous me tomber dessus. Sire. Lentriski, Sire Lee le broyeur. Ce que Lalan a pu faire, le passage du temps le fit. C'est beau. C'est poétique. Ça, je prends. Putain, autant, alors, je sais pas si j'arriverai à le buter, le baron, mais autant te dire que. Par contre, je serais devenu riche. Hein. Prince aérien du plumet. Ouais. Étrange. Étrange nom. Fantôme d'aériel. Tu ne me plais pas trop, toi. T'as l'air bien physique, hein, pour un fantôme, en tout cas. Mais je t'ai eu. Fin du dialogue. C'est bien gentil de me filer des trucs, mais je peux pas les identifier. Alors, là, il y en a encore un. Artank Swilovic, enterré ici dans la plus grande affliction par les soins de la confrérie des bouilleurs de cru barovien. Ok. Le mec met une torgnole, il détruit la porte immédiatement. Ok. Alors, il y en a encore. Pidwelk, le fou de Dorfnia.
Ah putain, il y a encore des nécrophages. Non, 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 non. Je ne veux pas d'absorption de niveau. Donc tu te calmes genre direct. Alors déjà que Irena, elle est un peu claquée au sol. Si en plus elle se prend des absorptions de niveau, je te raconte pas. Oh là là, c'est une catastrophe. Et du coup, Pidwick le fout de Dorfnia, ok. Tu as fini. Pour en terre. En tout cas, t'as beau être fou, t'as de la thune. Ah. Je sais pas à quoi vont me servir les 750 pièces d'or, mais. Encore là, ici, les deux là. Duchesse Dorfnia Dismnia, donc ok. Donc on a trouvé son fou tout à l'heure. Enfin, il y a juste 2 secondes quoi. C'est quand ton fou avait de la thune, donc ça me fait plaisir. 95 000. Hein. Ah yes. Artichat des Slopes, peintre de plafond à Lahour. Lahour? C'est pas plutôt la cour? Peut-être oublié une lettre? Genre peintre de la cour royale, je sais pas. Je ne sais pas. C'est un mystère. Ouais, encore tout ça. Mais bon, tiens le bon bout. Roi Itri Katsi. Katsi l'étincelant, roi dirigeant et inventeur. Là, cet homme est multicasquette. Allez, cassez-moi cette porte. Pff, 100 000. Je commence à avoir un peu d'argent. Un petit peu. Stabal Indibak, conseiller d'Andorovitch venu des pays de l'Est, le meilleur ami qu'aucun dirigeant n'a jamais eu. Sigis sa famille en tout honneur. D'accord. Là, il y a carrément une sépulture familiale, quoi. Ah oui. Oh, elle va encore se prendre 15 000 absorptions de niveau, là. Mon dieu. Par contre, putain, c'est un enfer. Sortez de là, sinon je peux pas accéder au cercueil. Tout ça pour qu'il y ait rien en plus. Quel enfer. Du coup, descendons. Oui, on se repose. J'ai échoué. Tiers monde. Puis je vais pas pouvoir me reposer avant longtemps et je ne pourrai pas invoquer de créatures du coup. Ça c'est pas ouf. Sir Eric Vanderbuck. J'espère que j'ai pas affronté des monstres puissants là parce que. Sans mon élémentaire d'eau, j'y arrive pas en fait, simplement. Donc, comme ça au moins c'est réglé. Il y a celle d'à côté. La pierre ne comporte aucune inscription.
je prends une jambe. Oh, c'est pas grave. Bon, il devrait avoir rien dedans, mais bon, c'est pas grave. Il y a rien. Hop. Alors, continuons. Il y a des ennemis encore. Ardent, Paliette, chef de luxe. Quel beau nom. Zombie de Strade. Voilà. Je l'ai ouvert déjà, ça non? Je crois que oui. Je peux me reposer. J'invoque la créature. Non? Rien du tout. Hormis un cadavre. Alors, c'est de l'autre côté. Ça va être là. Non, c'est ici. Sens d'orientation sur 20. Graalmort, Nimblenobs. Non, à coucher dehors. Ouf! Ah bah d'accord. Heureusement, je vais être dans la capacité de m'en servir. Est-ce qu'on les aurait pas presque toutes faites là? Et il reste celle sur les. Sur le... Il en reste une là sur le teco là. Celle-là. Ah, et l'autre là-bas en bas. Ok. Intri Silgvalou, il a repoussé la richesse pour la connaissance qu'il aurait pu emporter dans sa mort. Ok. Allons en bas, là-bas. On va prendre cette dernière là. Puis après, on va aller récupérer l'autre et au passage, on va aller sur la tombe de Sergueï Vanzadrovitch. Je pars en sein. Bucéphale, le cheval merveilleux, puisse l'herbe qui la foule être toujours plus verte. D'accord. Ouf! Cheval titanesque est tout simplement impressionnant, ses sabots et sa crinière sont en feu. Ah oui. Donc le type... ouais, il est énervé quoi. L'animation du tiers-monde. Apparemment, il n'y a pas marqué résistance accrue aux dégâts de feu. Donc, ça devrait quand même le faire. Oui, ça lui a en effet fait du dégât. Il faut les éliminer.
Eh bien oui. Eh bien, diablerie. Il était énervé. On peut passer par la tombe de Barov et Ravenonien, hein. On peut y aller, hein. On va aller là. Ah. Pas moyen de passer ce voile. Ok. Ok. Bon. Fausse alerte. On pourra peut-être y revenir plus tard. Est-ce que la tombe de Sergueï Vanzarovitch, on va pouvoir y aller? Je l'espère. Je vais d'abord faire une sauvegarde classique. Catacombe. Hop.